vouliez me voir? Asseyez-vous, Mendoza. Je vais faire quelques changements pour vous deux. T'inquiète, il va pas te coller à la circulation. Non, pas tout de suite. Donc, Léo, notre cher ami, nous a dit ce qu'il savait et il est reparti tranquillement. Il voulait pas de notre protection, alors? Dites à Nick ce que Léo nous a apporté. Des ballots de drogue. Sans déconner. Les avions volent, les drogues tombent, plouf, dans les Everglades. Montrez-lui. Une carte de pêche. Qui a monté l'opération? Un connard du nom de Rémy Nels. Il y a encore 2 ans, ce Nels n'était rien d'autre qu'un petit point sur le radar. Aujourd'hui, il dirige toute l'organisation qui a employé Tyson Latchford. Il a l'air d'un mec ambitieux. En effet, je veux que vous rappliquiez dans ce trou boueux qui nous sert de parc naturel pour découvrir à quel point il l'est. Mais je comprends pas pourquoi Léo aurait dénoncé son boss avant de repartir tranquillement. Léo a dit qu'il ne se sentait plus vraiment en sécurité avec les flics. Ce sera tout. En fait, Mendoza, je dois vous parler. D'accord. Votre équipière est une vraie tête brûlée. Elle croit en ce qu'elle fait, chef. Bonne réponse. Assieds-toi, fiston. Ça risque de nous retomber dessus, ce qui s'est passé à l'Elmore. Brutalité excessive, etc., etc. Ne t'en fais pas, je m'en charge. On est reconnaissant. Merci, chef. Ça va, ta mère, inspecteur? Excusez-moi. Je suis sûr qu'elle a enduré pas mal de choses pour te faire sortir de Cuba. On ne devient pas inspecteur à ton âge sans que ton passé soit examiné à la loupe. Et ton passé est plutôt chargé. Chef, ce... Ah, c'est rien. Je sais ce que c'est que d'avoir un connard comme père, moi aussi. Ça m'a pris du temps pour trouver mon chemin. Tu es... sur la bonne voie, fiston. Alors reste-y. C'est quoi cette carte pourrie que Léo nous a refourguée? L'échelle est complètement faussée, mais... c'est censé être là. Il l'a filée à Dos sans se faire prier. Comme ça, gentiment. Oui, ben, gentiment ou pas, elle est merdique, franchement. Il y a un truc que je capte pas. Qu'est-ce qu'il a à y gagner? Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui lui met la pression. Léo tient à ce qu'on sache que quelqu'un balance cette cam. Histoire qu'on élimine ses concurrents. J'ai raison. Léo sait qu'il est grillé à Miami. Ma main coupée qu'il est en train de monter en ce moment même un labo de stup dans l'Iowa. Au fait, est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a pris de lui foutre une raclée pareille? Léo me faisait vraiment chier, je voulais qu'il se calme un peu. Ouais, mais la police des polices aussi aurait pu te faire chier, t'y as pensé à ça? Ah, voilà. Rapproche-nous du point de livraison. Les trafiquants suivent leur paquet par radio. Ce numéro sur la carte de Léo, ça doit être la fréquence. Et regarde un peu ça, on a un signal. Rapproche-moi d'un paquet et je le marquerai avec une fléchette. Quelqu'un va venir récupérer tout ça. À l'époque où les cartels passaient la drogue par Miami, les marais grouillaient de trafiquants. Peut-être que l'histoire se répète. Faut espérer que non. Dans le temps, les types du cartel profitaient des fêtes d'anniversaire de leur môme pour s'entretuer. Ouais, je me souviens. J'étais tout môme à l'époque, j'ai vu un tas de saloperies. Du sang coagulé sur le trottoir, du pitbull avec la gorge tailladée. Comment ta mère a fait pour s'empêcher de basculer? C'est peut-être un peu banal. Elle travaillait beaucoup. Et elle m'aimait. Ouais, banal à en crever. Le fiston à sa maman. J'aurais jamais cru. C'est marqué. On va voir où il va. J'ai un autre signal. Ça marche. Ce paquet pèse au moins 10 kilos. L'Amérique aime la fête. Je dis juste que c'est pas des amateurs qui font ça. Dos nous enverrait pas ici si c'était le cas. Mettons que les cartels se servent encore de Miami pour faire passer la cam. Ça leur servirait à quoi?
À mon avis, le Mexique est devenu trop dangereux. Le trafiquant de base risque toujours la prison, mais pas de se faire décapiter par le premier truand venu. L'Amérique aime la fête, en effet. Et au fait, c'est pas rien que Dose nous ait mis sur l'affaire. Tu t'en rends compte, j'espère? Non, je sais. Le problème, c'est qu'avec ce qu'on fait, on pourra rien présenter pour un jour. On s'en branle. C'est plus marrant comme ça. Et au fait, le capitaine Dose, c'était une vraie terreur quand il était jeune. Ouais, c'est ce qui paraît. C'est quand même un peu risqué de bosser comme ça. Un petit conseil. Tu veux être le chouchou du capitaine? N'y va pas par quatre chemins. Alors c'est comme ça? Faut se la jouer à la cow-boy. Tu commences à piger. Bon, je vais jusqu'au quai. Pas mal de crocos par ici. Y'a pas à s'en faire. Ils ont plus la trouille de nous que l'inverse. T'as le droit de dire merci. Ok. Merci. On devrait peut-être rester sur la piste. Ouais, en tout cas, sortons de l'eau. Il faut qu'on monte sur cette plateforme. Essaie avec ce grappin. Je l'ai emprunté au SWAT. T'as jamais utilisé un grappin de ta vie? Non. Lance le grappin vers la plateforme. C'est les narcos qui ont construit ça? Ce sont des vieilles plateformes d'observation. Pour les touristes. Ça va, Kai? Comment va l'épaule? Ça me fait un mal de chien. Tiens, j'ai aussi une tyrolienne. T'es bien préparé. Vise ces planches, c'est un bon point d'accroche. Dans le mille. Suis-moi. Qu'est-ce que dit ton scanner? Police, plus un geste. C'est quoi ce bordel? C'est pas bon. Et voilà. C'est dégagé. Apparemment, ce paquet a loupé la cible.
t'ai trouvé une fréquence. 120.13. Ça donne quoi? Oh. Vise-moi tous ces jolis points lumineux, partout sur le lac. On n'a qu'à prendre un bateau pour aller voir. Demander des renforts? On n'est pas vraiment dans notre juridiction. Trouvons Nels d'abord. Il est plus ambitieux que je pensais. Comme tous les sacs à merde de ce genre. Tu sais ce qui me fout le plus la trouille dans cette guerre de la drogue? Le vainqueur aura du fric et des flingues à plus savoir qu'en faire. Ouais. Et une fois qu'ils auront fini de s'entretuer, ils s'en prendront à nous. C'est reparti comme dans les années 80. C'est pour ça que Dawes veut y mettre un terme tout de suite, avant qu'on en arrive là. Alors si on doit sortir un peu des clous, même, carrément, ça me dérange pas. Ça sauvera des vies. C'est pas faux. Alors pourquoi t'as pas l'air convaincu? Parce qu'il va se passer quoi au final? Pour en finir avec les gros poissons ou les parrains, et pour que ce soit définitif, il va nous falloir bien plus que des armes à feu. J'en sais rien. Et toi? C'est un jeu dangereux, inspecteur. Tant mieux. C'est le jeu que je préfère.